venu pour dédicacer son dernier ouvrage. Il est surtout en route pour les primaires de la droite, clé d'entrée à la présidentielle de 2017. Alors, qui sont les fans venus le rencontrer aujourd'hui à la librairie Charlemagne? La réponse dans ce reportage. Un livre entre les mains, ils attendent depuis des heures, certains ont même pris leur chaise. Plus que des lecteurs, ce sont ici près de 200 groupies qui guettent l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Vous avez lu le livre? Oui, bien sûr que j'ai lu le livre. Et je le lirai encore parce que je garderai un livre de chevet. Très bien, parce que je les offre aussi, j'en ai acheté 3 avant. Et je les ai offerts aussi, voilà. Des fans, mais aussi et surtout des militants venus apporter leur soutien au candidat Sarkozy pour les primaires à droite. Vous avez lu son livre? Entièrement. D'ailleurs, il est un petit peu abîmé, mais plus que jamais, on y croit encore, hein, vous voyez? On va le parrainer, on va voter et il va revenir. Mais bon, est-ce qu'il faut y croire jusqu'au bout? Ah, moi, je me pose quand même une question. Vous vous doutez un peu? Un petit peu, oui. Ouais. Donc, je vais voir. J'attends de voir ce qu'il peut nous proposer pour qu'on arrive jusqu'au bout. Ambiance de meeting pour cette séance de dédicace. Rencontre, échange, selfie, Nicolas accepte tout, garde le sourire. Il est en campagne dans ce département qui lui est toujours resté fidèle, avec l'un des meilleurs scores lors de la dernière élection présidentielle. C'est un honneur, un très grand honneur d'avoir Monsieur Sarkozy. On peut nous montrer un petit peu? Autographe. Allez, on rentre. J'aime ce département, j'aime cette ville. Je connais pratiquement toutes les routes. J'ai fait beaucoup de vélo ici. J'ai une maison. Je suis du Var. Le temps d'une signature, les militants en profitent pour faire passer leur message de soutien. Ben, je me demandais s'ils pouvaient sauver la France la prochaine fois aux élections, parce que je voudrais quand même pas être obligée de voter. Vous voyez quoi? Un avertissement pour la droite qui va devoir choisir son candidat cet automne.